Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog que j'ai décidé de faire à partir d'aujourd'hui. Donc on est lundi. J'aurais dû vérifier avant de taquer. 28 juin, il me semble. Oui, c'est ça. Lundi 28 juin. Et j'attaque en fait une semaine vide tes bulles. C'était Dorian qui avait lancé l'idée sur une de ses vidéos que je vous mets ici ou ici, je ne me rappelle jamais, c'est horrible, bref. Donc où il expliquait que pendant cette semaine, il avait décidé de lire un max de BD, de graphiques, de mangas, de comics, etc. Enfin, de graphiques en général. Et donc, j'ai décidé de le suivre un petit peu dans cette semaine-là. Puisque j'ai quelques romans, enfin quelques graphiques que j'aimerais lire, puisque je me mets petit à petit à ce genre de littérature que finalement je découvre, que j'aime pas mal, surtout la BD. J'ai beaucoup de mal avec le format manga, mais ça c'est vraiment propre à moi, je veux dire, c'est un format qui ne me convient pas. En revanche, BD, et ça me plaît bien. Comics, j'ai pas encore essayé, donc comme j'en ai deux, ben, c'est justement l'occasion cette semaine de m'essayer avec ces deux-là. Et voilà, donc je voulais commencer ce vlog pour en vous présentant, pardon, ce que j'ai retenu pour la semaine. Donc ça dure de lundi à dimanche, et j'ai sélectionné 14 graphiques. Ça fait environ 2 par jour, mais je ne sais pas si je vais m'y tenir. Certainement que certains jours j'en irai plus et d'autres moins, puisqu'il y a des graphiques qui sont très très gros et qui risquent de me prendre un petit peu plus qu'une journée. Voilà, c'est tout pour l'explication. Je vais tout de suite passer à ma petite pile de BD et de comics que je vous ai mis de côté. Je vais d'ailleurs commencer par les deux comics que j'ai repérés, qui sont les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est chez... alors moi je connais pas les éditions pour les comics, hein, puisque comme je vous disais, c'est la première fois. Donc là c'est Panini Comics a priori. Donc c'est le tome 1 par Brian M. Bendis, Steve McNiven et Sarah Piccelli. Je suis une grande grande fan des Gardiens de la Galaxie, enfin en tout cas des films, notamment le 1 que j'ai vraiment adoré. Et du coup, j'avais envie d'essayer. Je sais que mon chéri lit un peu des comics, on a lu beaucoup beaucoup étant jeune. Il lit beaucoup de BD, c'est la seule chose qu'il lit de son côté. Ce qui ne me pose aucun problème, au contraire, hein, à partir du moment où on lit, pour moi c'est banco. Bref, et en fait je lui avais offert, mais il n'a pas tellement accroché, donc je me suis dit que j'allais tenter de mon côté. Voilà un peu pour les types de planches, si vous voulez voir. Au moins je trouve que c'est pas mal, en tout cas au niveau dessin. Donc écoutez, on verra bien. Et du coup il y a le tome 1 et le tome 2. D'ailleurs il y a encore son marque-page. Il avait quand même été jusqu'à à peu près la moitié du tome 2, donc bon, c'est que c'était pas si mal que ça, mais bon, de là à ne pas le terminer. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas j'ai prévu ces deux là ensuite. Donc niveau BD, j'ai commencé à me mettre à la BD grâce à cette saga. C'est une saga qui est tirée d'un dessin animé, certainement d'un roman aussi à la base, j'en sais rien en fait. Je me suis jamais renseignée plus que ça, mais en tout cas c'était un dessin animé de mon époque. Ce n'est autre que Princesse Sarah. Et du coup, j'ai jusqu'au 12e tome et j'ai lu jusqu'au tome 11. Non, il y a 13 tomes pour l'instant de sortie et j'ai lu jusqu'au tome 11. Donc j'ai prévu de me lire le tome 12, Coupable, et le tome 13, L'Université Volante. Voilà, j'adore les dessins de ces BD. Donc c'est aux éditions Soleil, Blackberry, et c'est de... alors j'ai pas les prénoms, parce que là sur la couve, il n'y a que les noms de famille. Audrey Alvette au scénario, Nora Moretti au dessin, et aux couleurs, Annelise Sauvêtre et Manon Duverdon. Ça c'est pour le 13, mais je crois qu'au niveau des couleurs, sur ceux d'avant... Voilà, c'était Marina Duclos. Donc c'était, ça a changé entre le 12 et le 13. Voilà, donc là, c'est une valeur sûre. Je suis fan de cette saga, donc je ne me fais pas de soucis. Je vais me régaler avec ça et ça se lit vraiment très vite. Ensuite, j'ai retrouvé deux BD que j'avais offert à mes enfants il y a assez longtemps.
Et je les avais ramenées des Imaginales. Donc elles ont été dédicacées par l'auteur ou le dessinateur, je ne sais plus. D'ailleurs, c'est une autrice. Donc ça doit être l'autrice qui avait dû me la dédicacer, je ne sais plus. Enfin bref, ce n'est autre que Wakfu. Donc le tome 1, Les Kamas de la soif, et le tome 2. Voilà. Donc là encore, c'est des dessins que j'aime bien. Je ne me suis jamais lancée. Vous voyez, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. J'ai jamais essayé. Mon fils m'a dit que c'était bien, qu'il y avait maintenant une série sur Netflix, une série française qui était sortie et qu'elle était pas mal du tout. Donc je vais déjà essayer les deux BD. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Et on verra bien si j'accroche, ce que ça donne. Et puis peut-être que je me ferai la série si jamais ça me plaît bien. Même si moi je ne suis pas trop trop série. On verra. Ensuite, ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu passer très très récemment. C'est le tome 1 de Le Manoir de Sheridan. Ça s'appelle La Porte de Géhenne. C'est aux éditions Vent d'Ouest, qui est une édition de Glénat, il me semble. Donc là, c'est. Là, c'est pareil, il y a les noms de famille sur le dessus, mais pas les prénoms. Je préfère vous donner la totalité. Donc, c'est le scénario de Jacques Lamontagne et le dessin de Ma Yi. Voilà, regardez-moi ça. Ça a l'air trop, trop beau, trop bien. Ça a l'air un peu sombre, un peu mystérieux. Et je ne connais pas tellement l'histoire, en fait. J'ai pas trop regardé. Je crois que. Enfin, je l'ai. J'en avais parlé dans les sorties livresse de juin, puisqu'elle est sortie en juin, mais je ne me rappelle plus trop. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai pas tellement envie de le relire. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo des sorties de juin. C'est tout à la fin, si vous voulez. Vous verrez du coup le résumé de celle-ci et de la suivante que j'ai prévue, qui est le tome 1 des Nécromants, Le Réveil de l'Archimage d'Olivier Gay et Tina Valentino. Bon, là encore, j'aime beaucoup les dessins. J'aime bien, moi, quand les couleurs, elles sont un petit peu vives comme ça. Bon, les autres aussi, le Manoir Sheridan, avec les couleurs un peu sombres aussi, ça me plaît bien. Hein. C'est vraiment deux façons différentes, mais les deux me plaisent pas mal. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver une planche sympa. Voilà, donc, voilà un petit peu. Donc là, pareil, j'ai pas relu le résumé entre le moment où je vous le présente dans les sorties livresques du mois de juin et au moment de l'achat. Donc je vous invite là encore à regarder sur cette vidéo. Comme je vous dis, hein, c'est tout à la fin. Donc n'hésitez pas à passer et à aller tout de suite vers la fin. Et pour connaître un petit peu le sujet de cette BD, j'ai vu déjà un premier retour qui était plutôt bon. Donc voilà, ne me fais pas trop de soucis. En plus, j'aime beaucoup les écrits d'Olivier Gay. Donc ça devrait passer. Ensuite, encore des tomes 1. Ben oui, ben comme je vous dis, je commence dans la lecture de BD. Donc forcément, j'ai beaucoup de tomes 1, puisque je m'y essaye. Et du coup, j'ai le tome 1 de Spirit, Tunguska de Mara, chez Draco. Donc là, non plus, je ne me rappelle plus trop. C'est des histoires de fantômes, il me semble, chasseurs de fantômes, des trucs comme ça. Et franchement, elle est trop belle, moi, je trouve. Voilà. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais voilà. J'ai envie de m'essayer. Je sais que c'était Pauline de la chaîne littéraire qui m'avait donné très envie de découvrir cette BD. Le tome 2 n'est pas encore sorti, il me semble. C'est pour ça que je l'avais gardé un petit peu. Parce que aïe, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Mais je voulais pas trop trop traîner entre les différents tomes. Puis en fait, je me dis que ben, c'est de la BD. Donc même quand je sortirai le tome 2, enfin en tout cas quand il sortira, si elle m'a plu et que je me le procure, je suis tout à fait possible, il est tout à fait possible de relire vite fait le tome 1 pour enchaîner avec le tome 2 à ce moment-là. Donc finalement, pourquoi se priver? Je vais tenter de le lire cette semaine. Et de la même manière, je m'étais procuré chez Soleil Orgueil et Préjugés, le tome 1, les 5 filles de Monsieur Bennett, donc d'Aurore. Donc c'est c'est basé sur le texte de Jane Austen, bien évidemment. Donc là encore, j'aime beaucoup le dessin. C'est pas tout à fait dans le même style que les autres, mais ouais, franchement, ça me plaît bien.
Et du coup, et ben, il faut savoir que moi, je n'ai jamais lu Orgueil et Préjugés. Oui, je sais, ne me jetez pas des pierres. Mais ben, je me suis dit que peut-être le découvrir par une BD, ça peut être pas mal. Là encore, le tome 2 n'est pas encore sorti, mais il me semble qu'il est prévu cet automne. Donc, ben voilà, pareil, hein, si je ne me souviens plus trop, ben, je relis le tome 1 et j'enchaîne avec le tome 2 au moment où celui-ci sortira. Ensuite, donc là, c'est que les petites BD. Maintenant, je vais vous présenter les quelques graphiques que j'ai sélectionnés, mais qui sont des petits pavés. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur mon challenge L'été, lisons l'Asie, vous verrez que j'ai mis Sapiens, la naissance de l'humanité de Yuval Noah Harari, David van der Mullen et Daniel Cazenave. Donc là, bah, écoutez, c'est un roman, enfin un roman graphique documentaire qui est tiré du roman du même auteur et qui nous raconte bah, la naissance de l'humanité, tout simplement. Alors, je suis pas fan des graphiques, c'est pas tellement mon trip. Oh, il y a un marque-page qui est tombé. Pourtant, je l'ai pas commencé encore. Mais voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de cette de cette BD, enfin de ce roman graphique et du livre dont il est tiré, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et ensuite, trois romans graphiques qu'on m'a prêtés, mais que j'avais dans ma wishlist, donc ben, de toute façon j'avais envie de les lire, donc ça tombe bien. Donc, le Margot Motin, le printemps suivant, le tome 1, Vent lointain, donc c'est chez Casterman. Donc là, c'est des petites scènes de la vie quotidienne, il me semble. Voilà. C'est une dessinatrice qui a eu un petit peu de renommée, ou qui a un petit peu de renommée sur les réseaux sociaux, je ne sais pas trop. Enfin, moi, j'ai pas trop suivi, en tout cas. Mais voilà, je l'ai vu pas mal passer, j'avais envie de le tenter. Et les deux suivants qui me tentaient beaucoup, beaucoup, et puis il y a eu une période où ils étaient plus disponibles jusqu'à ce qu'il y ait eu a priori une réédition, si je ne me dis pas de bêtises. Bref, c'est Les Culottés, donc de Pénélope Bagieu, le tome 1 et le tome 2. Donc là, bien sûr, on parle de femmes qui ont marqué l'histoire et qui n'ont malheureusement pas forcément été reconnues. Donc voilà, j'en sais pas tellement plus, je sais que c'est assez féministe. Donc ben, j'ai envie, très envie de découvrir ces femmes-là, ce qu'elles ont fait pour nous. Hein. Là encore, je suis en train de perdre la marque-page. Hop. Décidément, ils ont envie de s'en aller. Donc là encore, des illustrations un petit peu à genre réseaux sociaux, mais il y a aussi de grandes planches comme ça. Donc. Ça a l'air très sympa, j'avais très envie de les découvrir. Donc voilà, mais voilà, c'est des petits pavés. Donc je ne sais pas, décidément j'ai décidé de m'assommer avec ces BD, avec ces romans graphiques. Et voilà, du coup j'avais envie de les découvrir. Et comme j'ai une amie qui a très gentiment bien voulu me les prêter. Ben voilà, occasion, l'occasion fait le larron, comme on dit. C'est moche comme expression, bref. Voilà, je vous ai présenté les 14 romans graphiques que je vais lire pendant cette semaine, enfin du moins que je vais essayer. Je ne sais pas du tout par lequel je vais commencer. En fait, j'en ai aucune idée. Je verrai. Je vous dirai ça dans une prochaine section du vlog parce que ben, déjà, là, ça fait un petit moment que je parle. Bref, je vous dirai ça plus tard. En attendant, j'avais commencé un vlog pour le week-end d'Amil d'il y a 15 jours, je ne me rappelle plus, bref, que j'avais complètement foiré. Donc de toute façon, il n'y avait rien d'intéressant à dire puisque je m'étais complètement plantée sur ce vlog, sur ce week-end d'Amil plutôt. Donc j'avais décidé de ne pas continuer le vlog. Mais par contre, il y avait une ou deux sections que je voulais vous montrer, notamment le swap qu'on a fait avec Pauline de la chaîne littéraire. Donc je voulais vous montrer quand même l'ouverture de colis. Donc je pense vous le placer pendant ce vlog, peut-être juste après. Et je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne me rappelle plus quel rush j'ai fait à ce sujet-là. Donc ben, vous verrez bien. Et je verrai bien aussi. Voilà. Ouais,
Ouais, je sais, c'est un peu moche comme organisation. En fait, je me lance dans le vlog, je n'ai absolument rien prévu, je suis pas de programme, rien, c'est freestyle. Donc, ben voilà, ça sera la surprise. Sur ce, je vous laisse pour cette fois et puis ben moi je sais pas quand est-ce que je reviens, mais en tout cas pour vous ça sera tout à l'heure. On va enfin pouvoir ouvrir le colis de Pauline depuis le temps. Et oui, parce que même tout le week-end, malgré l'impatience que j'ai de découvrir ce colis, je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc cette fois, c'est la bonne. Enfin, j'espère, parce que j'ai pas pris de ciseaux et je crois que je vais galérer. D'ailleurs, je vais aller chercher les ciseaux, sinon ça va être complètement impossible. J'ai trouvé mes armes. Alors, c'est parti. Hop. Échappage de ciseaux. Oui, je suis très 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 douée de mes mains. Je vous le confirme. C'est une catastrophe. Alors, c'est parti. Hop là. C'est bien emballé. Des petits paquets. Oh, il y a un petit paquet trop beau. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai déjà un joli petit paquet comme ça. Ouh, je vois des choses. Allez, on ouvre le premier, on attaque. Bon, là aussi, je vais y aller au ciseau, je pense. Parce que je suis pas très douée. Alors. Bon, désolée Pauline, mais les emballages ont un peu morflé. Ah, génial. Donc, un joli mug. J'aime bien, moi, ces motifs avec des pétales. Et à l'intérieur, de quoi le remplir. Alors, les clippers framboises, j'adore celui-ci. Celui-ci, je l'adore. Trop, trop bon. Je m'étouffe. C'est l'émotion. Ensuite, ah, j'y en a que je ne connais pas. Donc, un détox fruits rouges, la tisanière. Un thé noir joyeux Noël de Jardin de Gaïa. Il y en avait deux. Et le bedtime, donc des yogi tea et yogi organique. Voilà, je ne les connais pas moi, ceux-là, je n'ai jamais essayé. Donc un nuit calme et un bonne nuit. Voilà. Donc ça, c'est super. J'adore. Ensuite, oh là là, mais il y a plein de petites choses. Je souris parce qu'en fait, j'ai emballé, quand je lui ai fait son propre swap, j'ai emballé aussi tous mes petits cadeaux. Et j'ai aussi utilisé du masking tape et j'ai utilisé exactement le même. Donc ça me fait rire parce que franchement, on aurait voulu le faire exprès, on ne serait pas arrivé. Je crois. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, génial! C'est une petite étiquette pour mettre sur les bagages. Par contre, il y a écrit numérique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah voilà, regardez. Génial. Alors, elle ne pouvait pas mieux tomber, puisque j'adore partir en voyage. Je suis censée partir en septembre.
et en décembre. Donc ça, c'est top, top, parce que ça servira forcément. Ensuite, ce petit paquet suivant. Ah, des petits washi tape. Alors, si vous voyez ma collection, vous sauriez que là, elle a tombé pile poil juste parce que je suis fan de ces petites cochonneries. J'en mets partout. J'en mets dans mon bullet. Vous pouvez voir, rien que sur la couve, il y en a. Je vais vous montrer. Voilà, j'en ai de partout. Donc là, sur les contours, des brillants, des... avec des motifs, avec voilà, j'en mets deux partout. J'adore ces petits scotch. Je suis hyper fan. Donc là, encore bien tombé. Banco. Ensuite, est-ce que c'est... Enfin, je pense qu'elle me disait que son petit colis, elle en aurait honte parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Pardon. Ah, génial. Génial. Alors, c'est... C'est un petit chauffe-main. Ah, c'est trop bien. Avec une petite baleine. Alors, je ne sais pas comment ça s'utilise. Il faudrait que je lise le mode d'emploi. Mais moi, c'est hyper top. Parce que je suis une personne qui a tout le temps froid aux mains. Pour vous dire, je travaille l'hiver avec les mitaines. Parce que sur l'ordinateur, j'ai toujours les mains gelées. Ça, c'est hyper... C'est top. Vraiment, je suis trop contente. Génial. Alors, il y a des petites cochonneries. Petits oursons, des petites sucettes. Alors, bon, c'est pas bon pour ce que j'ai, mais c'est tellement bien. Oh, purée, en plus, il y en a encore. Ah, là, c'est des gros dragibus. Oh, excellent. Bon, je suis une gourmande, hein, donc ça, ça pouvait que taper juste. Alors, oh là là. Hop. Alors, voyons voir. Alors, aucune idée là. Ah oui. C'est un carnet bullet journal. Génial. En plus, il est trop beau. J'adore ce motif fleuri. Avec les pages. Avec les pages avec les points. Mais en fait, il y a trois coloris de pages dans le carnet. Génial. Alors, je ne vais certainement pas m'en servir pour cette année, puisque cette année, j'ai déjà attaqué mes carnets de lecture, suivi de lecture, bullet, j'ai déjà tout en cours. Mais c'est top, parce que du coup, j'ai mon année prochaine, et j'aurai déjà mon carnet. Génial. Et on arrive sur les... Petit livre. Voyons voir. Je regarde si je suis toujours centrée par rapport. Bon, je ne suis pas centrée. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fichu. Je suis fatiguée, je vous dis. C'est pas grave. Donc, une petite carte. Bon, j'en étais sûre. Avec un joli autocollant. Alors, il me semble que... Alors, je ne me rappelle plus le nom de la boutique. Je vous la retrouverai. Et je vous la mettrai en bas. Je crois qu'il y a Petit Pois dans le nom de la boutique, mais je ne me rappelle plus le nom exact. Je lirai bien évidemment le mot après. Mais voici la jolie carte sur laquelle elle m'a écrit. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, à lire après. Elle m'a mis les livres dans un petit... attaché avec une petite ficelle où j'ai un petit mot « Open Me ». Et avec... C'est en fait même ça, je crois que je vais le garder, j'adore. Ça, c'est le genre de choses que je vais coller, je pense, dans mon bullet, en souvenir. Donc, pour les romans, c'est parti. Les livres. Alors. Je m'étouffe. Oh, génial. Génial. Donc, c'est La vie en chantier de Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Bon, bah, c'est un livre dont j'avais envie depuis que j'avais lu, je crois, une chronique de Céline Lecture. Mais franchement, j'avais trop envie de ce livre. Je pense que
On avait décidé de rien acheter jusqu'à l'ouverture du colis pour éviter justement d'acheter un livre qu'on pourrait recevoir. Heureusement, parce que c'est bien un livre que j'aurais pu me procurer en fait pendant cette période. Ah, j'y avais pas vu. Oh, ça sent. Oh, je sais pas. Une bougie, non? Ouais, je sais, la blague à 2 francs. Oui, à 2 francs, oui, parce que moi, je suis plutôt jeune, donc les francs, je les ai connus longtemps. Hein. Ah, génial! C'est un marque-page à colorier Disney. Comment il s'appelle? Ouais. Pocahontas, hein, tout le monde le sait, mais bon, son nom. Alors, vous savez que, d'ailleurs, vous le voyez juste là, juste le bas, que moi j'adore Pocahontas. Dans le mille, hein. Oh purée, ça va me torturer l'esprit. Je pense que quand je vais monter la vidéo, à mon avis, je vais le chercher et je vais vous le mettre parce que ça me. Et le dernier petit cadeau qui est aussi un livre. Ah oui! Génial. Génial. C'est le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Bon, elle savait, hein, depuis que j'en parle, que ce roman me tentait beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore cette couve. Oh là. Vraiment, trop, trop beau. Et je suis trop contente parce que je vais pouvoir me faire mon propre avis sur ce roman parce que je l'ai vu passer. Et il y a des bons retours comme des mauvais, enfin pas des mauvais, des moins bons, des plus sceptiques, on va dire. Et bien justement, hein, ça m'a donné très envie de le découvrir, encore plus envie de le découvrir parce que j'ai envie de me faire mon propre avis quand des romans me tentent beaucoup comme ça. En général, je ne me laisse pas influencer par une mauvaise critique. J'ai envie de le découvrir moi-même pour pouvoir me faire une idée. Enfin, c'est surtout quand le livre me tente vraiment, vraiment beaucoup. Après, si j'ai par exemple un livre qui m'attire, mais voilà, j'hésite, je sais pas trop, et que j'entends une ou deux mauvaises critiques, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à ne pas me tourner vers lui. En revanche, quand vraiment il me tente, même une mauvaise critique, pardon, ne me fera pas forcément changer d'avis. Et c'était le cas pour celui-ci. Donc, franchement, je suis trop contente. Et franchement, Pauline, tu n'as pas à rougir de ton colis. Il est magnifique. J'adore tout ce qu'il y avait dedans. Tu es tombée juste sur plein de trucs, enfin sur tout. Et franchement, merci infiniment. Ça me fait hyper plaisir. Et voilà, je suis très très contente, comme je te l'ai dit, de t'avoir rencontrée. Et virtuellement pour l'instant, j'espère vraiment qu'un jour on pourra se rencontrer en vrai parce que ben voilà, c'est toujours différent de se voir en vrai. Mais déjà, nos échanges, nos lectures communes, nos voilà, je passe toujours un bon moment à discuter avec toi et voilà, j'espère que ça continuera longtemps et je te remercie infiniment pour ce colis. Alors, je viens de lire ton petit mot. Alors, ça me fait rire parce que j'étais exactement comme toi. J'avais envie de mettre un million de choses dans mon colis pour te faire plaisir, parce que ça me faisait vraiment plaisir de te faire plaisir. Et du coup, je vois qu'on fonctionne quand même pas mal pareil. Et ça sera avec grand plaisir, bien évidemment, pour l'ALC, si ça, quand tu veux, bien sûr, puisque c'est toujours un grand. Enfin, je passe toujours un très bon moment de discussion avec toi quand on fait des LC ensemble. Et voilà, et bien sûr que tous tes petits goodies sont top, je les adore et encore merci. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est toujours un petit peu émouvant de voir les relations qui peuvent se nouer au travers des réseaux sociaux. Alors on critique beaucoup, mais il y a quand même des bons côtés, fort heureusement. Et voilà, je vais m'arrêter là pour de bon. Coucou tout le monde, je vous retrouve. On est mardi 29 et il est 22 h et je viens donc vous parler un petit peu de où j'en suis dans mes lectures graphiques. Alors,
J'ai hier lu Le printemps suivant, le tome 1, Vent lointain de Margot Motin aux éditions Casterman. Donc j'ai terminé cette BD hier, c'est la seule que j'ai lue lundi, donc qui était le premier jour de ma semaine Vite et Bulle. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors il faut dire que j'ai vraiment adoré la toute première blague du roman, enfin du roman graphique, parce que en fait elle me correspond vraiment beaucoup, c'est-à-dire que c'est une première, donc je vous spoil rien, c'est la toute première, hein, toute première histoire que nous raconte l'autrice, où elle va faire du paddle avec son chéri, et qu'elle a peur des vagues, et elle a peur de ce qui se trouve dans l'eau, donc de choses qui lui frôlent les jambes, et voilà, elle est une réflexion que je fais. Du style, tu crois qu'il y a des bêtes ou des choses comme ça. Donc voilà, je me suis marrée dès la première page en fait par rapport à ce petit clin d'œil. Ensuite, donc j'ai trouvé le reste du roman graphique plutôt drôle en général. C'est vrai que le personnage est un peu agaçant parce que il est plutôt égoïste. On voit que c'est une mère célibataire qui a l'habitude de s'occuper d'elle-même, de faire les choses toute seule. De tout gérer et puis voilà, elle doit s'adapter à la vie de couple à la famille recomposée puisque son chéri a une petite fille également, donc ils ont tous les deux une petite fille et du coup forcément s'habituer à la vie de couple c'est à mon avis pas évident et donc c'est ce qu'elle essaye de montrer dans ce tome-là. Alors j'imagine que sur la suite il y a une évolution justement par rapport à ça, je ne sais pas, peut-être je le lirai, mais du coup je suis restée quand même très, comment dire, tolérante par rapport à ce caractère un peu égoïste, égocentré du personnage, parce que voilà, je m'imagine le parcours qu'elle a dû vivre avant de s'installer dans une nouvelle maison avec son compagnon. Voilà, donc c'est quand même une BD que j'ai beaucoup appréciée. Ensuite, aujourd'hui, en rentrant du travail, j'ai lu les deux tomes de Wakfu, les Karmas de la soif. Donc c'est de Isabelle Bothian et Wu Shangji. Je suis pas sûre de mon coup. Et c'est aux éditions Ankama. Voilà. Je crois que c'est que l'autrice, que la scénariste est française, il me semble. Alors, c'est très très jeunesse. C'est très très jeunesse. Je savais en attaquant cette BD qu'il y avait des chances que ça ne me plaise pas beaucoup parce que ceux qui me suivent savent que je ne suis pas trop trop lecture jeunesse. J'ai un petit peu du mal. Et c'est vrai que je m'étais dit peut-être sous un autre format ça passerait mieux. Et en fait, non, je n'ai pas particulièrement plus aimé en format BD la jeunesse. Donc c'est sympa. Les dessins, les couleurs surtout sont très très jolies. J'aime beaucoup les couleurs. Mais les dessins sont sympas, mais voilà, sans plus, je sais que je n'en dirai pas d'autres de cette saga. Ensuite, là, juste avant de vous prendre, j'ai terminé le tome 1 de Orgueil et Préjugés, les 5 filles de Mrs. Bennet par Aurore, donc aux éditions Soleil. J'ai beaucoup aimé. Alors, comme je vous disais, je ne connais pas le texte d'origine de Jane Austen, mais en tout cas, cette BD, cette première partie m'a donné très envie de le découvrir. Donc, je pense que je vais le mettre peut-être pas dans ma palle d'été, parce que j'ai déjà beaucoup, beaucoup trop de choses, mais en tout cas, je vais peut-être essayer de la mettre dans ma palle d'octobre, enfin d'automne. Parce que je l'ai dans les éditions Crawford, vous savez, celles qui ont été éditées en librairie, en presse. Donc j'ai cette édition-là qui a été un petit peu critiquée au niveau de la traduction. Donc je ne sais pas trop, sinon je me procurerai carrément une version un peu plus récente de ce roman pour essayer de me le tenter parce que vraiment cette BD m'a donné très envie. J'aime beaucoup le dessin.
Même si il est pas, je sais pas comment dire, il est pas hyper précis au niveau des visages, enfin, je sais pas comment expliquer, mais enfin, moi personnellement j'ai bien aimé. Je vais essayer de trouver, voilà, il fait des franges sympas. Moi j'ai bien aimé. Et ça m'a. Et donc voilà, l'histoire me plaît pas mal. Donc comme le tome 2 en BD n'est toujours pas sorti, voilà, je vais voir à peut-être me procurer le roman. Ensuite, je vais quand même vous parler un petit peu de mes autres lectures en cours. Pour donc tous les challenges que je suis en train de faire, notamment pour le Travel Challenge 2021, j'avais prévu de lire la petite nouvelle Lady Hélène qui est entre le tome 1 et le tome 2 et le tome 2. Donc j'ai lu cette nouvelle qui est en fait un passage du tome 1 vu par un autre personnage. Donc moi j'aime beaucoup ce genre ce genre de petite nouvelle. Enfin en tout cas, ces tirages là, ces visions d'un autre point de vue. Et ça se termine par vraiment un passage qu'on n'a pas dans le livre 1. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça permet aussi d'approfondir un petit peu le fameux personnage par lequel on voit la scène. Donc j'ai bien aimé cette toute petite nouvelle. Et j'ai commencé, voilà, à peine le tome 2. J'en suis à peine à la page 26. Voilà, vraiment, premier chapitre. J'ai lu à peine le premier chapitre. Ben, ça va me plaire. Je sais que le tome 1 m'a beaucoup plu, donc il n'y a pas de raison. Et donc, c'est juste le début pour l'instant. Je ne peux pas trop vous en dire, mais ça commence bien. Je pense que je vais le mettre en pause parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, on est le 29. Et j'aimerais terminer un livre avant la fin du mois, un livre complet. Comme je sais qu'il m'est impossible en 2 jours, en 2 soirs, vu qu'aujourd'hui il est déjà 22 h, donc entre ce soir et demain soir, de terminer ce roman, puisque je travaille bien évidemment, je ne peux pas lire la journée, enfin très peu, j'ai décidé de me sortir un autre livre très court pour pouvoir me le terminer et je reprendrai le Lady Hélène à partir du 1er juillet. Donc, j'ai décidé de lire Comment je suis devenue un robot de Nadia Coste aux éditions Siros dans la collection Tempo. Donc, c'est vraiment un tout petit roman. Il fait 100, 200 pages. Voilà, mais c'est écrit voilà, très gros, très aéré. Hein. C'est un tout petit roman. Et voilà, celui-là, je sais que je vais réussir à le lire certainement, enfin j'espère, le lire pendant ces 2 derniers jours du mois de juin. Donc là, on suit Margot qui a été victime d'un accident et qui a une main et un pied artificiel. Donc voilà, c'est comment réapprendre à vivre avec ce nouveau corps et comment être accepté par l'entourage, famille, amis, etc. Enfin, voilà, en gros, c'est ce que j'ai compris. Je vous dirai bien sûr ça une fois que je l'aurai lu. J'ai remarqué un tout petit défaut dans le livre. En fait, il a une page, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, qui a été imprimée pliée. Voilà. Et voilà, je ne peux pas la déplier. Si je la déplie, ben forcément, ça va dépasser. Enfin, j'espère juste que je vais réussir à lire les phrases. C'est encore plus flagrant de l'autre côté, vous voyez. C'est drôle. Donc j'espère que je vais réussir à lire quand même les quelques phrases qui sont cachées dans ce pli. Non, on verra bien. C'était la petite surprise du chef. Ah, c'est un roman que j'avais acheté, je crois, à Lambesc, au festival de Lambesc, puisque moi je suis du sud de la France. Et donc je l'avais eu dédicacé par l'autrice, dont j'ai déjà plusieurs romans et que j'apprécie beaucoup au niveau de l'écriture. Voilà. Donc, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Je vais avoir un petit peu moins de temps en journée puisque je ne suis plus en télétravail. Enfin, j'étais en télétravail 3 jours par semaine. Là, je suis en télétravail plus que 2 jours par semaine. C'est vrai que quand je suis en télétravail, quand je fais une pause, c'est facile de prendre le livre avec moi. En général, quand je suis au travail, je ne prends pas de pause. La journée file, je n'ai pas le temps de la voir passer. Donc, du coup, je lis un petit peu moins. Mais en août, je serai en vacances, donc ça me permettra de rattraper tout ça. Bref,
C'est tout ce que j'avais à vous dire. Petit courant d'air qui a fait bouger une porte, c'est rien. Voilà, donc j'en reste là pour ce soir et je reviendrai du coup demain pour vous dire si j'ai avancé, sachant que donc pour ma semaine Vitapal, où j'ai prévu deux lectures graphiques par jour, j'en ai lu qu'une le premier jour, mais j'en ai lu trois aujourd'hui. Donc j'ai rattrapé le petit retard que j'avais pris dès le premier jour. Et du coup, ben, je suis dans les temps. Voilà, on verra comment ça se passe pour demain. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. On est vendredi 2 juillet et il est 15h40 à peu près. Je fais une petite pause dans le travail pour vous filmer cette petite séquence. Je voudrais donc vous parler de mes avancées au niveau lecture PD, hein, puisque c'est le sujet principal du vlog. Mais j'ai aussi un petit colis que je vais ouvrir avec vous. Enfin, en tout cas, je vais en profiter pour l'ouvrir avec vous. Donc, j'ai lu. J'ai pas beaucoup avancé, il faut dire. Vous voyez que ça fait 2 jours que je suis pas venue, mais en fait, c'est parce que j'avais rien de particulier à vous dire, puisque je n'avais pratiquement pas avancé. Donc, j'ai lu Les Nécromants, le tome 1, Le Réveil de l'Archimage d'Olivier Gay et Tina Valentino chez Draco. Je me suis régalée. Cette BD est vraiment super. J'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé les couleurs, mais j'ai beaucoup aimé les personnages. Et un peu l'humour d'Olivier Gay qu'on retrouve quand même vraiment bien. Je vais vous montrer peut-être une planche un peu sympa. Voilà, moi j'aime bien en haut, par exemple, le dessin de la ville. Voilà, donc comment il s'appelle? Arche. Je ne sais plus. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Bref, je crois que c'est Arch qu'il s'appelle. Donc, il est un archimage, mais de très piètre capacité. Dans cette histoire, ils peuvent utiliser les capacités, les compétences de fantômes qu'ils plient à leur volonté, on va dire. Et donc, Archie a une sœur qui s'appelle Morla, qui est une archimage très très puissante, mais malheureusement elle va tenter de prendre possession d'un fantôme d'un archimage qui était très très puissant à l'époque où il vivait, et du coup ça va c'est lui qui va prendre possession du corps de Morla, et du coup Archie va tenter de la sauver, sauf que voilà, comme lui il est pas très très doué. Les fantômes qu'il a réussi à soumettre entre guillemets, ce sont
un guerrier qui est pas très accompli, un érudit qui est plutôt tête en l'air, et une danseuse du ventre. Donc autant dire que ce sont des capacités qui servent moyennement. Et voilà, il va quand même essayer de trouver une solution pour aider sa sœur et éventuellement sauver le monde. C'était vraiment super, je me suis régalée et je retrouve bien le petit humour d'Olivier Gay. Et voilà, comme je suis déjà une conquise par ses écrits, ben voilà, ça ne déroge pas à la règle. Voilà, donc c'est le seul que j'ai lu en entier sur ces 2 jours, enfin 3 jours, mais aujourd'hui là j'en ai pas terminé, donc je pense que ce soir j'aurai le temps d'en lire d'autres. Mais sur les 2 jours précédents, c'est le seul que j'ai lu en entier, parce que j'ai attaqué celui-ci, Sapiens, le tome 1, la naissance de l'humanité, qui est, comme vous le savez, une grosse bricasse. Donc c'est de Yuval Noah Harari, David Van Der Mulen et Daniel Cazenave, et c'est chez Albin Michel. En fait, ça a beau être une BD, c'est très, ça demande quand même d'être concentré. C'est un peu, comment dire, c'est un peu exigeant comme lecture. Voilà, donc du coup, je mets quand même pas mal de temps à la lire. Par exemple, vous voyez, il y a des passages, je vais essayer de vous en trouver un, où ben, il y a beaucoup de textes, hein, vous voyez, les bulles sont quand même assez conséquentes, il y a pas mal de textes. Et puis voilà, ce qui est raconté, c'est quand même plus ou moins scientifique. Bon, bien sûr, c'est raconté de façon à ce que ce soit très compréhensible par tout à chacun. Mais voilà, il faut quand même être un minimum concentré pour lire cette BD. Donc du coup, j'en suis pour l'instant à la page. Où est mon marque-page? 66 sur... Je ne sais plus combien elle fait. 245. Donc voilà. Il m'en reste un bon paquet. J'espère que j'aurai le temps de le finir avant la fin de la semaine. Ça serait quand même mon objectif pour pouvoir aussi le mettre, puisqu'il fait partie de mon challenge l'été, lisons l'Asie. Donc pouvoir aussi cocher cette case de graphique dans ce challenge. Voilà pour les BD et je voulais vous parler aussi du petit roman que j'ai terminé hier ou avant-hier. C'est Comment je suis devenue un robot de Nadia Coste chez Syros aux éditions Tempo. Donc là, on suit Margot qui a eu un accident et qui a perdu une main et une jambe. Et donc qui va devoir refaire sa vie avec une main artificielle et une jambe artificielle. Mais elle a 14 ans et forcément le regard des autres au moment où on essaye de s'habituer à son corps, ou voilà, elle a cette contrainte supplémentaire au niveau aussi bien douleur que douleur psychologique, que acceptation de la part des autres, etc. Et c'est très bien fait. Et même si c'est du jeunesse, j'ai passé un très bon moment. Ça s'est lu très vite. En 2 soirs, je l'avais terminé. Et franchement, je le conseille parce que au niveau acceptation de l'autre, justement, c'était très bien fait. Voilà pour les lectures. Je vais passer maintenant à la petite ouverture de colis. C'est un colis que j'ai fait chez Gilbert Joseph puisque j'ai une alerte. Les alertes Gilbert Joseph, c'est vraiment un petit piège. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de trouver un tome 3 d'une saga que j'ai commencé. C'est celui des cartographes, donc le livre 3, L'illusion écarlate de S. Grove aux éditions Nathan. Très très beau. Et franchement, il est en très bon état. Et je suis contente, il est un petit peu moins gros que le tome 1 et le tome 2. Donc il va peut-être se lire un petit peu plus vite. Donc pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1, que j'avais beaucoup aimé malgré que ce soit de la jeunesse. Vous savez, moi je lis très peu de jeunesse, j'aime moyennement ça, et pourtant le tome 1 ça avait fonctionné avec moi. Donc de temps en temps, au milieu du lot, il y en a un, ça n'arrive pas souvent, donc c'est pour ça que j'en lis pas beaucoup, parce que lire 10 romans jeunesse pour en trouver un au milieu qui me plaît, la rentabilité est moyenne, donc j'en lis pas souvent. Mais voilà, celui-ci j'aime beaucoup, donc le tome 3 en parfait état. Franchement, pour le prix que j'ai payé, je suis trop contente. Et du coup, j'en ai profité pour ne pas avoir de frais de port, enfin les frais de port à 1 centime, pour me procurer en neuf cette fois-ci un tome 2 d'une saga aussi que j'ai commencé il y a très peu de temps, qui est
Kelleana, donc le tome 2, La Reine sans couronne de Sarah J. Maas, qui est sorti chez La Martinière. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé le tome 1. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Je pense que je peux vous mettre par ici mon point lecture dans lequel je vous en parle si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'avais très envie de connaître la suite des aventures de Kelleana l'assassineuse. Et ben voilà. Voilà, je vous retrouverai de toute façon ces deux romans dans mon book haul ben dans 2 mois, parce que je ferai certainement un book haul juillet-août pour le prochain, donc c'est pas tout de suite, mais voilà, ils y seront. Voilà, pour aujourd'hui, je vais me remettre au travail pour l'heure qui reste, un petit peu plus d'une heure maintenant, et avant d'être enfin en week-end, et je vous reprends, je pense, demain dans la journée pour vous faire part de mes avancées d'aujourd'hui et puis peut-être de demain en fonction de quand je vous prends. Enfin, on verra comme d'habitude. En attendant, je vous dis à plus tard! On est mardi 6 et il est 21h30. Oui, je vous ai pas pris du tout du week-end. Ben en fait, j'ai eu un week-end hyper chargé et du coup, ben j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup lire non plus. Donc, petit bilan de ma semaine en bulle, enfin vite tes bulles. J'ai lu pendant le week-end Le Manoir Sheridan, le tome 1, La Porte de Géhenne de Jacques Lamontagne et Maillet. Donc là où on suit Daniel qui a un accident de traîneau au Canada et il se retrouve au manoir, sauvé par le propriétaire du manoir. Et voilà, ensuite il va découvrir la nièce de ce personnage et toute une histoire un peu fantastique derrière. C'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Il y a une toute petite scène, enfin c'est juste vraiment une case qui m'a un petit peu déplu pour un sujet bien particulier, mais franchement, dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment et je pense que je me procurerai la suite quand elle sortira. Et j'ai également lu Spirit, le tome 1, Tunguska, pardon, de Mara, aux éditions Draco. Donc là, on suit un spiritologue, pardon, qui est en fait une espèce de chasseur de fantômes, donc qui étudie les fantômes, et la journaliste dont je ne me souviens plus, Nell. Oui, c'est Nell, la journaliste, qui, elle, n'y croyait pas tellement jusque ce qu'elle le rencontre. Et voilà, et ils vont se lancer dans une aventure avec une enquête sur un événement passé, des morts suspectes, etc. Et là encore, j'ai passé un excellent moment de lecture, c'était vraiment très sympa. Là aussi, j'ai beaucoup aimé les graphismes, j'ai aimé les personnages, la caractérisation des personnages. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi cette BD et du coup, je lirai volontiers la suite. Et j'ai bien avancé dans Sapiens, le tome 1, La naissance de l'humanité de Yuval Noah Harari aux éditions Albin Michel. Donc là, j'en suis à
120 pages, je crois que ça fait à peu près la moitié parce qu'il me semble qu'elle en fait 240, c'est ça. Donc je suis pile poil à la moitié. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais terminer. Comme je vous disais la dernière fois, ça demande de la concentration, presque plus qu'un roman en fait. Parce qu'en même temps, je suis en train de lire le tome 2 de Lady Helen d'Alison Goodman aux éditions Gallimard. Je ne l'ai pas sous la main, je ne peux pas vous le montrer. Mais j'ai plus de facilité à lire ce roman à lire cette BD en fait, tellement elle est exigeante, enfin je trouve. Du coup, je trouve que, alors c'est très intéressant, ça fournit beaucoup beaucoup d'informations sur nous et ce qu'on est, pourquoi on est comme on est, mais je trouve que c'est peut-être pas suffisamment romancé, enfin je sais pas, ça fait un peu scolaire quoi, et du coup j'ai un peu du mal, voilà. Mais je lirai jusqu'au bout parce que quand même c'est hyper intéressant. Voilà pour les BD. Donc finalement j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et demi sur les 14 que j'avais prévu. Non. 7? Ah oui, non. 7 et demi. Donc j'ai légèrement dépassé la moitié. Avec mon petit demi de Sapiens par rapport à ce que j'ai prévu. Donc, en fait, du coup, il doit m'en rester une, deux, trois, quatre, cinq, six, ouais, c'est ça. Que je n'ai pas eu le temps de lire. Mais c'est pas grave, puisque je pense que je vais le continuer tranquillement pendant l'été. Peut-être même faire le graphique du dimanche que fait Céline Lecture sur Insta. Voilà. Donc c'est juste un graphique le dimanche, hein, c'est pas un challenge particulier, voilà, c'est juste pour pouvoir lire ces graphiques. Donc je pense que je me calquerai un petit peu sur ce système-là en me disant les graphiques qui me manquent le dimanche pendant les vacances, enfin pendant l'été. Voilà, dernière chose avant de vous quitter et de fermer ce vlog, je voulais vous montrer le livre que ma petite sœur m'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est L'Oiseau Moqueur de Walter Tevis, aux éditions Gelmester dans la collection Totem. Donc j'aime beaucoup cette collection, je trouve leurs romans, enfin les couves super sympas. J'ai lu dans cette collection un seul livre pour l'instant qui est un Pete From dont j'ai oublié le titre, je vous mettrai ici en bas parce que ça ne me revient pas, je ne vais pas vous faire patienter 150 ans le temps que je réfléchisse. J'essaie de voir si je l'ai mis juste en face, si j'arrive à le repérer. Mais non, je ne le vois pas. Non, bon, je vous mettrai ça ici. Donc là, c'est une histoire un petit peu à la Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, où les livres ont été interdits, les films ont été interdits, pas de sentiments. Voilà, on est dans un monde où pour que l'humain soit heureux, en fait, il faut qu'il vive la minute à la minute et que voilà, il reste cool, qu'il se pose pas de questions, que voilà. Donc on est un peu dans ce monde-là et a priori ça serait une espèce de robot sophistiqué qui gouverne l'humanité. Voilà, je n'en sais pas tellement plus et j'ai pas tellement plus envie de le savoir. Je sais qu'il a été très bien reçu par pas mal d'Instagrammeuses que je suis. Donc, je suis très contente que ma petite sœur ait pensé à m'offrir ce roman. Voilà, je ne vous cache pas que je suis fatiguée. J'ai repris le travail, enfin j'ai eu une journée de travail en présentiel aujourd'hui. Et hier aussi, d'ailleurs, dans quelle journée? Oui, non, mardi, c'est le premier jour de la semaine en présentiel. Mais bref, je suis un petit peu fatiguée ces derniers temps. C'est toujours un peu comme ça à l'approche des vacances qui sont en août pour moi. Donc ce mois de juillet est toujours un petit peu tendu, un petit peu difficile. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez cette tête-là un petit peu fatiguée. Mais du coup, je vais vous laisser et je vais aller me reposer un peu, bouquiner. Et voilà, c'est tout. Vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vlog jusqu'au bout. J'espère que mes petites tribulations de bulles et d'autres vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez prévu de lire un petit peu des graphiques pendant l'été et lesquels, si vous avez déjà une pile à lire ou quelque chose comme ça, je serais ravie de la découvrir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!